Bonjour, je suis Marion, énergéticienne, facilitatrice et spécialisée dans l'hypersensibilité. Donc l'hypersensibilité pour moi, ça a longtemps été un fardeau. Tous les jours, je me retrouvais face à mes émotions, à toutes mes perceptions, à toutes les situations où c'était trop intense pour moi et où c'était très difficile à gérer. Je croyais à cette époque que j'allais trouver des solutions en apprenant à gérer mes émotions, en diminuant l'intensité de mes émotions, en le cachant. Puis mon chemin m'a amené à rencontrer d'autres personnes hypersensibles, à reconnaître que j'étais moi-même hypersensible, pleinement, et que c'était pas un défaut, que c'était juste une caractéristique de vie et que j'allais pouvoir me l'approprier et en faire une qualité. Chaque hypersensibilité cache derrière qualité, un joyau et même un super pouvoir. Donc, un des premiers super pouvoirs que j'ai découvert était toute l'énergie que j'avais dans les mains qui avait envie d'être utilisée pour les autres personnes. À l'accompagnement dans un travail sur l'hypersensibilité, on ne va pas aller chercher à guérir, on ne va pas aller chercher à diminuer, je ne vais pas aller chercher à gérer les émotions. Je vais t'accompagner à découvrir profondément quelles sont toutes tes caractéristiques et comment tu vas pouvoir les utiliser à ton avantage et qu'est-ce qu'elles recèlent de joyaux une fois que tu as compris comment elles fonctionnent. Souvent, les trois quarts du temps, au minimum, les caractéristiques de l'hypersensible, ce sont des capacités à percevoir bien plus intensément tout ce qui se passe à l'extérieur de toi et notamment les émotions des gens, les pensées des gens, leur état d'être, etc.